Salut à tous, Sense. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Verfeuille. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Mont Selenite, bien entendu. Mais avant tout, voilà, je vous montre un petit peu l'XP que j'ai fait. Alors, Reptincel niveau 20 et Pikachu niveau 13, voilà. Tranquille. Pikachu, pour l'instant, je l'ai pas un peu trop XP parce que le problème, c'est que c'est très difficile à XP et très lent. Et on a le temps, en fait. Hein, voilà. Alors, j'ai plutôt XP l'autre qui pourra peut-être nous servir pour le Mont Selenite avec sa griffe acier. Et on est parti pour cet enfer. Bonjour, attendez. Yen s'obtient la CT Balgren, c'est vrai. De toute façon, on va les utiliser parce que je vous jure, je vais pas. Quand j'aurai fini le jeu, j'aurai fini le jeu. Enfin voilà, j'aurai pas de mon côté. À moins que voilà, je fasse un petit peu de Shiny Hunting. Or sinon, voilà, Pokémon Sun aussi, c'est Pokémon Sun et Moon. C'est enfin sorti. Enfin, attendez. Et son niveau 10 ici. Ah, c'est triste. Bon, Pokémon Sun et Moon en fait est sorti. Et bon, voilà, beaucoup de personnes ont déjà trouvé le nouveau moyen de Shiny Hunting. Et franchement, je l'adore moi aussi. Et donc voilà. C'était juste voilà pour vous parler de ça. Donc en gros, peut-être qu'on fera du Shiny Hunting sur un ancien jeu pour voir comment la difficulté c'était à l'époque. De quoi? J'attends mes potes ici. Bon, j'ai oublié qu'on avait des Zubats. J'espère que le son n'est toujours pas assez fort, enfin pas trop fort. Dans mes oreilles, il est vraiment très fort, mais c'est normal, c'est fait exprès en fait. Voilà. Ah, Mélofée, c'est vrai qu'elle est Mélofée la nuit. Enfin, je crois. Je crois que c'est la nuit. Flamèche. Normalement, on défonce tout le monde, hein, c'est. Tu rates ton attaque, boulet. Enfin, je sais pas du tout, attendez. Non, mais elle est pas type fée. Non, elle est pas type fée, donc en gros, ça sert à rien. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Aïe. 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 C'est chiant pour un Tornéol. Ça fait trop mal. Attendez, je vais faire quelque chose quand même. Parce que là, pour l'instant, je pense en fait que le son est trop fort. Ouais, pour moi, en fait, le son est trop fort. Core setting. Il a 8%, les gars. Il est. Et. Je vais réussir. 3%. Ah, bah là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Là, on a un meilleur truc. Non, j'ai perdu. Voilà, hop, c'est fini. On t'a battu. Bon, alors on va faire un petit peu continuer notre le Mont Selenite. C'est un labyrinthe, bien entendu, comme tous les monts. Rakaillou, ça m'intéresse pas, Gravalanche. Sachant qu'on va pas du tout pouvoir échanger. Donc, casse-toi, tu seras. Non, je suis triste. Tu meurs. Tu meurs? Non mais. Hein? Ah! Pourquoi ça? Pourquoi on se prend un. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, le mec était en mode full armor, donc c'était fini là. Est-ce qu'on descend? Je sais plus du tout. Sûrement qu'on peut. On peut speed, mais voilà, c'est le problème, c'est que bah, on va attirer les Pokémon. Mais je vais quand même speed. Ah, Paras! C'est vrai qu'il est ce Pokémon là à l'époque, je me rappelais. C'était un. Enfin, il avait des chances de tenir l'objet là, champignon. Et ça se vendait une richesse. Et j'étais en train de farm le jeu, je me rappelais. C'est. Enfin, j'ai farm pendant, je sais pas, 4-5 heures et tout pour en avoir une dizaine de. Enfin, une quarantaine de Paras. Et il y en avait une dizaine qui avait un champignon. C'était nul. Bonjour, Paras. Mais moi avec une dizaine de champignons, là je me faisais. Je crois que les champignons ça coûte 3000. Donc. Quand on faisait le calcul, j'avais gagné 30 000 Poké-Dollars, sachant que c'était à ce level là. J'avais même un Reptincel qui était niveau. Enfin non, j'avais un. Non, c'était Herbizarre que j'avais pris. J'ai un Herbizarre de toute façon totalement pourri de niveau 16. Ah. La Team Rocket, c'est nous, les voleurs de Pokémon. Bon, voilà, premier combat contre la Team Rocket, c'est vrai. Allez, c'est parti. Alors, Team Rocket à l'époque, franchement, voilà, le style n'y était pas du tout pour moi. Hop, griffe facile. Meurs, meurs. Ok. Ok. Tchac, tchac. Meurs.
Quoi? Oh le nom! Meurs! Merci. Son, on n'a pas. Je crois qu'on a pris un peu. Enfin, on n'a pas de potion. Ça va être peut-être le problème. C'est vrai qu'à l'époque, il pouvait pas mettre deux musiques en même temps, enfin deux sons en même temps. En gros, la musique en fait, elle s'arrête pendant qu'elle crie. Ça, c'est trop marrant. Ça, c'est. Je me rappelle à l'époque. C'était le pire truc ever. Hein. C'était moche. Voilà, bon, t'es midlife. Normalement, je te tue. Mais. De toute façon, après, Pikachu, on va pas s'en servir trop. Et voilà, c'est juste parce que voilà, ça. On va en fait un petit peu reset ses stats. Voilà, on va reset ses stats. 9 Serapti. Non, on les change pas. Non, on les change pas parce que c'est 9 Serapti, même c'est. C'est un Pokémon de type vol. Donc c'est one shot. Je suis trop bête. Il est niveau 11. Ah bah non, c'est bon, ça marche. Pikachu a gagné 126 pour points d'expérience. Bravo, vous avez battu Team Rocket. Non, j'ai perdu! Attendez, faut que je trouve quand même une voix pour cela. C'est le problème. C'était juste pour une balle? Escroquerie. Escroquerie. Ah, c'était escroquerie. Morceau étoile. Bon, ça va, c'est. C'est un bon objet. Mais j'ai des repousses! Mais c'est vrai que j'ai pris des repousses. Je vais les prendre. Ça va me saouler sinon. Parce que sinon, voilà, on va être en mode full galère. Sac. J'en ai pris trop en plus. J'en ai pris beaucoup trop. Regardez-moi ça. Le repousse qui est totalement utile. Je crois qu'en fait il faut monter en haut. Si je cherche des fossiles ici sur le mont Célite, Pierre de la Reine vient souvent m'aider. Ok. Attendez, elle, est-ce qu'elle veut faire un combat? Eh oui, elle veut faire un combat. Oula, c'est plus balèze que je croyais ici. Depuis tout à l'heure, elle court. Zéro peur. Zéro peur, c'est. Voilà. Bon, c'est parti. Oh, un mystère. Oh bah. Ah bah. Ça va nous économiser des PP, hein. Je dois vous dire, franchement, je suis bien content. Meurs. Oh, t'es mort. Oh, mystère en plus, je crois que c'est. Ouais, c'est. Je crois qu'il y a beaucoup de Pokémon comme ça, en fait, voilà, qu'on voit petit à petit. Là, maintenant, on voit Chetiflore. Et au début du jour, on les voit pas. Et ça faisait tout le temps. En mode oh là là, il faut que je trouve ce Pokémon, il est passé où? Bref, voilà, c'était assez fun, hein, voilà, c'était l'époque. C'est toujours la même chose aujourd'hui, sauf que maintenant je suis liqué tout le temps, c'est chiant. Donc niveau 21 et on va évoluer bientôt, je crois troisième arène, on a évolué. Nia, j'ai perdu. Faut vraiment que je trouve une voix meilleure que ça, quoi. L'effet de repousse se dissipe. Tant pis, juste pour ça. Hein? Y a rien, c'est pas grave. Désolé si je parlais pas. J'étais en mode. Non, je me suis encore loupé de zone. Normal, hein, après tout. Après tout. Mais je suis un bolos. Bon, tant pis. Ça bosse dur ici, alors du balai. Je vais pas réussir à faire cette voix tout le temps, je vous jure. Bon, ensuite, un Oceraptie, bon, ça va. Si tu sors d'autres Oceraptie, ben. Normal, je vais. Je suis assez mignon. Je suis assez con, aussi con que ça. Ah, mais. Ok, d'accord. Bon, bah, brouillard.
Bon, au moins tu rates ton attaque. Non, heureusement que c'est utile, c'est bon, c'est pas grave. Alors, je sais pas du tout ce que fait le type acier, c'est vrai. Mais c'est pas super efficace contre les types vol poison, ça va. Bon à savoir. Ah, beau. Ah, ben non. Meurs, Abo. Alors voilà. Enfin, en anglais, par contre, Abo, je sais plus comment il s'appelle déjà. Ah oui, c'est Ekans. Snake en, à l'envers. Voilà. Ça, c'est le petit truc voilà, sympathique. En anglais, enfin, en français, c'est plus. Abo. Abonné. Non, je déconne. Non, mais rate pas ton attaque, idiot. Non. Bon, là voilà, là c'est le problème parce que on va arriver à un endroit, à un moment où on va perdre trop d'HP. Et quand on perd trop d'HP, on a perdu. Donc, merci de me laisser tranquille. Voilà. Meurs. 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 Là, oui, là, je suis en train de dire n'importe quoi parce que déjà, oui, c'est vrai que je suis fatigué. Mais surtout parce qu'en fait, c'est un petit peu saoulant les combats. Et on va en avoir en long et en large, hein, quand même, dans cette grotte. Donc heureusement qu'on a des replus, on aura bientôt, on en a plus qu'un quoi déjà. On aurait dû en prendre beaucoup plus. Puis vous savez quoi, je fais une pause et on ressort. Tu es ici aussi pour explorer. Mais vous faites tout ce chier. Non tant pis. Toi, on va te dépop. Attendez. Ça fait quand même perdre 5 PV mec, c'est chiant. Perdre 5 HP par 5 HP c'est chiant. Si t'as que des ratatas, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Bon. Ça déjà ça a tout dit. C'est que j'ai perdu 5 PV par 5 PV, voilà. Je vais plus qu'à 20 PV. Je me rappelle pas parfaitement de toute façon de tout ce qu'ils ont. Tout ce que les dresseurs ont. Ah, un Oceraptor. Oui, on va changer de Pokémon, on va prendre Pikachu, comme ça, de toute façon, s'il crève Pikachu, c'est pas grave. On va soigner Reptincelle. Enfin, on va d'abord tuer le Nocerapti, et après, on va soigner Reptincelle. Éclair. Boom, one shot. Quoi? Mais tout à l'heure, c'est la one shot, le mec niveau 11. En vampirisme, le sort. Hein? Le sort le plus inutile au monde. Si le jeu a bugué en fait 3 minutes, 3 millièmes de seconde. Le record il a bugué, ça va. Parce qu'en fait j'ai le record juste en dessous, mais vous le voyez pas. Sympathique en fait si vous voulez que je fasse une pause. Père, ça craint vraiment. Hop, on va dans le sac, on va trouver la potion. La potion qu'on met directement à Reptincelle. Ah, c'est vrai! Et en plus, je me rappelais qu'il l'avait enlevé parce que. Ça faisait une animation en fait de trop qui était chiante à mettre. On va pas fight. Bon désolé, je veux la pole. Hein, c'est... Ah, c'est une pierre lune. Dommage. Bon, c'est pas grave, c'est quand même une pierre lune. Enfin voilà. Et je m'attendais, voilà, vous voyez un truc du type repousse. Voilà. Ah, c'est bientôt la fin. L'effet du repousse se dissipe. On va directement utiliser un autre. Parce que voilà, c'est un peu chiant la fin les. Non. Voilà. Ah oh, mince. Bon tant pis. Les petits gamins ne s'occupent pas des affaires des grands. Parce que oui, j'ai oublié. C'est vrai qu'on a 10 ans. C'est vrai. Bonjour, j'ai 10 ans. Je viens vous défoncer. Voilà, ah là, honte à vous. Ah, honte aussi à vos vitesses. J'en ai marre de perdre 5 HP quoi. Ah non, c'est bon. Ah bah, tu crèves. Ah bah, oh super. Bon bah voilà. Non, on va pas changer de Pokémon. Sa belette, normalement, c'est gérable. C'est pas gérable. Enfin, je pense. On va prendre cher. On va prendre très cher. Ça c'est trop long en fait à tuer un sablette. Quand t'as pas vu le bizarre en fait tu sens bien le problème.
jet de sable. En plus, le problème, c'est que c'est jet de sable. Ça attaque la pluie. Voilà, vous voyez, c'est chiant. Non, arrête. Bon. Je vais péter un câble. Ah, c'est bon, j'ai réussi. En vrai, pourquoi en fait c'est chiant ça bled, parce que c'est jet de sable. Même si ça fait zéro dégâts, c'est une perte de temps. Voilà. Je suis épuisé. Je trouve toujours pas de voix à leur faire. C'est. Tant pis. C'est vrai qu'on a un long détour. Ça, c'est juste pour faire. Dire utilise 0 pouce. Hop. La Team Rocket se trouvera les fossiles et fera fortune en les vendant. Ah, c'est vrai qu'on va avoir un fossile. Mais je vais plutôt attendre avant d'avoir un vol, parce que voilà, sinon c'est chiant. Faire tout à pied. En vrai, la map de ce jeu-là est très grande, mais... Enfin, pour l'époque, c'était vraiment une map géante, et merci d'avoir encore raté ton attaque. Reptincelle, c'est un cassos. Reptincelle, il me saoule, là. La Reptincelle, t'es saoulant. Voilà, merci. Tue des gens, s'il te plaît, et... Voilà. Ouais, on perd toujours 5 PV par 5 PV. Pleuf. La petite griffouille avec l'attaque augmentée, sympathique. Non, on va pas changer de Pokémon. Pour vous dire. Parce que voilà, griffe est totalement pété maintenant, c'est bon. Voilà, on a une attaque plutôt bonne. Ah, quoique. Là, je suis étonné. Mais c'est bon. Niveau 22, c'est bon, c'est parfait. Voilà. Pour l'instant, ça va tranquillement, en fait, ça va. C'est plutôt sympathique. Et bref, voilà. Ah bah. Ah bah. Eh, plutôt là voilà. Ces fossiles sont à moi, pas touche. L'intello Michel. Tas de morts, bien entendu, voilà. Encore un Pokémon, parce qu'on est en mode. Quoi? Où ça? Y'a un tas de morts à un endroit sûr. Il est dans cette zone, le mec là. Tenu comme d'habitude, hein, voilà, on s'en fout. Osef, et tu meurs. Désolé. Oh non! Oh là là! Je suis vraiment triste. Tu joues armure alors que je vais jouer attaque spé. C'est totalement inutile. Meurs. J'en sais pas pourquoi à l'époque. Je comprenais même pas ce que c'était attaque et attaque spé. Non. Smogo. Hein. Bah, Flamèche. Le problème, c'est qu'on a rien du tout pour les. De super efficace contre eux. De toute façon, je crois que ça. Ah! Le coup critique. Là, je le sens bien passer quand même. Là, que je suis bientôt dans la merde. Mais ça va. Je le sens bien. On a gagné. Voltorb. Non, on va pas changer de Pokémon, et de toute façon Pikachu sera capable de faire, même si Pikachu aurait pu être, faire le taf. Voilà. Griffe acier. Est-ce que type acier? Bah non. Voilà. Pourtant c'est une boule de métal pour moi. Pour moi c'est une boule, enfin oui, bah ça ressemble à une boule de métal, on est bien d'accord. Bon tant pis. Tu meurs. En fait, dans le Monster Linus, il y a beaucoup de Pokémon en fait qu'on découvre. Je crois qu'ils se sont dit, bon, ok, on va leur montrer qu'il y a beaucoup de Pokémon. Chacun le sien. Comme ça, pas de jaloux. Ok. Tu veux le fossile Nautile? Non. Tu veux le fossile d'homme? Non. Alors, qu'est-ce qu'on prend déjà? Nautile, c'est très attention que c'est le... C'est... À la fin, ça va devenir un... Bref, c'est un Nautile, voilà. C'est dans la vraie vie, c'est un Nautile. Et lui c'est Kabuto, donc je vais prendre Kabuto, voilà, oui. Parce que... Ah mince. Non, de toute façon, après j'aurai un autre Pokémon, oh. Ok, je prends celui-ci. L'effet de repousse se dissipe. S'il te plaît pas à la fin. Et pour avoir l'autre Pokémon, en fait, il fallait échanger avec son pote, voilà. C'est tout si bête que ça, ou alors avoir deux jeux. On a fini. Bah je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, je suis un salaud.
Bon, merci d'avoir regardé cet épisode. Moi, pour l'instant, je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Abonnez-vous, likez si c'est toujours pas fait. Bisous, bisous.